Bonjour à tous, ici Skrillex et bienvenue dans ce 59e épisode de Let's Play sur Hogwarts Legacy. Alors, on est toujours dans les catacombes. Rebellion. Ok. On est reparti pour le combat contre les araignées. Énième combat contre les araignées. Hein. Alors, les Impero, là-haut, là, voilà. Très bien. Passe un instant, j'ai cru que ça n'en finirait jamais. Ah, j'ai horreur des araignées, c'est... Surtout les grosses comme ça, quoi. Une impasse. Tout ça pour rien. Tiens bon, ce n'est pas le moment d'abandonner. Revelio. Ok. La relique est très prometteuse, sa puissance pourrait bénéficier à tous les sorciers ainsi qu'à mon banquier, mais le sacrifice obscur nécessaire pour libérer son pouvoir est peut-être trop grand. En attendant d'en savoir plus, il ne faut pas que la relique soit déplacée. Sébastien, regarde, la relique. Vraiment? Elle correspond à la description de la relique. Ce doit être l'endroit où l'élève l'a laissée. Je n'y crois pas. Après tout ça, ça correspond. On l'a enfin trouvé! D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire, le sacrifice obscur nécessaire pour libérer le potentiel de la relique? Je ne sais pas. Mais on doit trouver la relique. Ben elle est là. La note déconseille de toucher à la relique. Cette relique n'attendait que nous. Je t'assure. Pour Anne, je la prends. Retournons à Feldcroft. Oh, ça pue, ça quand même. Ça je pue vraiment très fort. Secrète, surtout vis-à-vis de mon oncle. Rebellion. Ok, bon bah on peut sortir. Est-ce que c'est... Hominis ? Hominis. Hominis, les bruits qu'on entendait, c'était toi ! Tu ne m'as pas laissé le choix, il fallait que je te suive. Sébastien, je t'en prie,
Oublie la relique. On trouvera un autre moyen d'aider Anne. Je suis désolé, Hominis, mais je la garde. Je ne te laisserai pas faire. Si tu refuses de la reposer, je le ferai. Attendez un peu. Sébastien, s'il te plaît, calme-toi. Très bien. Mais Hominis sait que je ne recule jamais devant un combat. Je n'arrive pas à le croire. D'accord. Ah, ça pue, hein. Ouais, je peux pas. Qu'est-ce que tu as entendu, Hominis ? J'ai tout entendu. Merci d'avoir dit à Sébastien de laisser la relique. Nous devons faire équipe et convaincre Sébastien que c'est une mauvaise idée. Et s'il refuse de changer d'avis ? On doit trouver quelque chose. J'ai besoin de ton aide. Ah, purée. Sébastien a raison. Il nous faut cette relique. Je suis désolé, mais ma décision est prise. Tu es prêt à sacrifier votre amitié pour ça ? Peut-être bien. Mais je ne peux pas me contenter de le regarder sans rien faire. Et si la décision ne te revenait pas ? Tu ne pourrais pas être tenu responsable de la situation. Mais enfin, qu'est-ce que tu proposes ? Impero ? Maintenant que tu le dis à haute voix, ça me paraît absurde. Mais j'ai une autre idée. On autorise Sébastien à partir avec la relique à une seule condition. Après ça, c'est terminé. C'est ce que nous avions convenu dans le scriptorium. On me prend pour un imbécile. Pas du tout, Hominis. C'est peut-être le seul moyen de sauver votre amitié. Nous devons lui faire confiance. D'accord. Si je lui fais confiance, alors à toi aussi. La magie noire a toujours l'air inoffensive jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors vas-y. Pars avec la relique. Je ne dirai plus un mot. Bon. J'espère que je ne vais pas le regretter. Sébastien, on est prêt. Qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas changé d'avis. Hominis a changé d'avis. Partons. Quoi ? Hominis ? Je t'expliquerai en route. Viens. Bon ben, allons-y. Hein. Normalement, j'ai tout fouillé, donc tout va bien. Alors, que s'est-il passé là-bas ? Hominis et moi avons trouvé un compromis. Il te suffit de discuter un moment avec Hominis. Confringo ! C'est tout ? Je lui ai dit qu'on devrait te laisser une chance, que la relique est trop importante pour l'ignorer. Il doit sûrement y avoir autre chose. Je t'écoute. On s'est mis d'accord sur ce qui était nécessaire, Sébastien. Si j'ai pas... Tu as ma parole. J'ai pas fouillé. Oula. Action ! Action ! Je dois trouver un moyen de traverser. Lumos. Lumos. Confringo. Allez. Lumos. Confringo. Non. Lumos. Action. Lumos. Action. Lucas Leviosa. Confringo. Non. D'accord, j'ai fait un pont. Lumos. Lumos. Action. Lumos. Action. Guardium Leviosa.
ton brinque-ballon en os, c'est terminé. Lumos. Confringo. Action. Lumos. Très bien tout ça. Je sais pas où je vais, hein. Il y a un coffre. Rebellion. Action. Ok. Protego. C'est ouvert. Rebellion. D'accord, je suis remonté. Sur le chemin du retour, Hominis ne m'a même pas regardé. Ça ne lui ressemble pas. Il était perturbé, Sébastien. Même si on était tous d'accord, c'est difficile à accepter. Je croyais qu'il comprendrait. Il savait qu'on ne pouvait pas abandonner. Tout ça est bien trop important. Pour Anne. Hein, vous avez compris, il l'a pas regardé, il est aveugle. Mais bon. Ah d'accord, on est là, oui. Retourner à Feldcroft. Je peux pas y aller en monture. Bloc. Oula. Oula, 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 oula. Ça fume bien noir. On sera à Feldcroft. Je ferais mieux de ne pas dire à Anne ce qu'il a fallu faire pour obtenir la relique. Elle pense comme Hominis. Ça ne ferait que la contrarier. Ça fume bien non, noir. Je n'aime pas ça. Qu'y a-t-il ? De la fumée, là-bas, près du hameau. Feldcroft a des ennuis. La ville est attaquée. Dépêchons-nous. Vous ne pouvez pas nous arrêter. Allez, je m'en fous de Lumos. Et Anne va mourir avant d'avoir pu être soignée. Non ?
Ouais, non, 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 non. Impero! D'accord, oh. Mon garçon, qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai fait que sauver ma sœur. C'est un sortilège impardonnable, sûrement tiré de ce maudit livre. Ton père aurait honte de toi. Tu es allé trop loin, Sébastien. Ne t'approche plus d'elle. Ne t'approche plus de nous. Qu'est-ce que mon oncle voulait que je fasse? Le sortilège de l'Imperium a sauvé Anne. Ce gobelin allait la tuer. Tu as dû réagir vite. Mais ça reste un sortilège impardonnable. J'ai agi sans réfléchir. C'est tout. Je dois faire entendre raison à mon oncle. Il ne peut pas m'éloigner de ma maison. Et encore moins de ma sœur. Il vaut mieux le laisser se calmer un peu. Je peux lui parler? J'arriverai peut-être à lui faire entendre raison. Tu as peut-être raison. Bien. Il vaudrait mieux que je disparaisse quelque temps. Je vais retourner à Poudlard. Très bien. Excusez-moi, Monsieur Palot. Ce que Sébastien a fait est impardonnable. Vous ne comptez tout de même pas le défendre. Sébastien et moi avons déjà eu affaire à des fidèles de Ranrok. Ce gobelin aurait tué Anne. Notre famille n'a pas recours à la magie noire, même contre nos ennemis. Ce que Sébastien a fait est irréversible. Le fait que vous défendiez le comportement de Sébastien en dit long sur vous. Vous êtes aussi coupable que lui. Sébastien ne s'approchera plus de Fellcroft, ni d'Anne. Les sortilèges impardonnables le sont pour une raison. Si j'apprends que vous continuez dans cette voie, si l'un d'entre vous utilise à nouveau la magie noire, j'en informerai immédiatement le directeur. D'accord. Pourquoi, Sébastien? Bon. Je me demande qui y vit. Allô, Mora. Revelio. Il y a un gros coffre là-haut. Oui. Emplacement d'équipement plein. Oh. On va en virer un ou deux. Alors, au niveau des gants. Voilà, et... Voilà. Après, je vais devoir aller identifier tout ça, hein, parce que je vais commencer à être... Il y a un souci. Allez, Sébastien à la crypte. D'accord. Alors, on va aller ici. Comme ça, on va pouvoir vendre un peu. Là-bas. Okay.
qui avez sauvé le petit Archie Beagle des mains des hommes de Rockwood. Si. Vous avez vraiment fait preuve de noblesse sur ce coup. C'est normal. Bonjour, monsieur Sammy. Que puis-je pour vous? Que proposez-vous à la vente? Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Alors, je vends. Je n'aurai aucun mal à vendre ça. Merci. Oh, 79. Par rapport au 61. Ce n'est pas vous qui avez chassé tous ces fidèles gobelins? Si vous saviez quel soulagement c'était pour les habitants. J'espère vous revoir bientôt. Voilà, bon. Carte de Poudlard. On va identifier tous les objets. Chic aurait une idée à vous soumettre. Très bien. Et on va s'équiper. Alors, gants, c'est bon. Lunettes. 86, 76. 86, c'est très bien. On va changer le skin après. Le chapeau. 75, salut Mimi. Hop, 75. C'est moche, mais bon. On changera les skins après. Hop, 77, 79. Très bien. Ici, 79, 80. Et là, hop. On est bien. Oui, changer le skin parce que là, je ressemble à rien. Pour mes gants. Allez, les royaux, c'est très bien. Les lunettes. Un masque de canard. Le nifleur, pardon. Hop, voilà le chapeau. Ça va, j'ai pas mal de nouveaux skins, hein, mais c'était celui-là. Le potionniste. Ouais, c'était celui-là. Accessoire de cou, hein, la violette est sympa. Bah non, mais c'est pas ça que je veux, c'est... Mais sinon, c'était celle-là. Non. C'était celle-là que j'avais. Non, mais la violette... Non, la vente, non. Mais bout de feu chinois royal, ça donne un style. Hop. Là, c'était la peau de dragon. Et ici, ça n'a pas changé. Ok. Très bien. Bon, tant que je suis ici, Chic. Bonjour, Chic. Tu voulais me parler? Oui, Chic a pensé que vous voudriez peut-être apprendre à construire un enclos de reproduction pour pouvoir élever des créatures. Je ne sais pas, Chic.
Ça fait beaucoup de travail. Je ne peux pas juste les sauver. Sauver et élever des créatures vont de pair. Les jeunes créatures sont particulièrement vulnérables aux braconniers. Élever des créatures ici, dans la salle, nous permettra de garantir la sécurité des petits. Je vois. Mais j'ai vu ça. Qu'est-ce que je dois faire ? Commencez par amener deux créatures dans la salle, un mâle et une femelle. Chick vous conseille de sauver des sombrales, car ils sont recherchés par les braconniers. Ce sont de nobles créatures, mais leur lien avec la mort leur donne une mauvaise réputation. Leurs crins de queue sont prisés par les braconniers. J'ai déjà vu des sombrales, mais où puis-je en trouver dans les environs ? Chick a aperçu des sombrales sauvages non loin de l'enceinte de Poudlard. Ensuite, vous devrez acheter un créasort pour l'enclos chez Tom et Parchemin et rassembler les matériaux requis. Une fois que vous aurez sauvé les sombrales et récupéré le créasort, revenez voir Chick. Ok. Alors, ici. Rébellion. Non, c'est pas ça, c'est Hervé. Erreur. Voilà. J'ai déjà un sombral, mâle. Il me manque la femelle. Ok. Iurus, Maxima, allez Maxima. Hop. Très bien. Et on va pouvoir sortir de là. Ouais. Pour aller dans la crypte. Bon, on va y aller à pied, hein. Alors. Non, c'est la quête que je voulais. Voilà, dans l'ombre de la distance. En espérant trouver cette dernière clé. Ah, j'ai toujours pas compris comment. Enfin, j'ai pas cherché non plus. Hein. Bien l'oreille si jamais on entend une clé, mais non. As-tu parlé à mon oncle ? J'aurais aimé avoir de meilleures nouvelles de Anne et de ton oncle. Eh bien ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Malheureusement, il ne veut plus que tu viennes à Feldcroft. Ou voir Anne. Je devais empêcher ce gobelin de tuer ma sœur. Il n'a pas le droit de m'empêcher de voir ma jumelle. S'il pense qu'il suffit de me bannir pour que je renonce à sauver Anne, il se trompe lourdement. Il a aussi dit qu'il ne pouvait pas tolérer l'usage de la magie noire. Et que s'il entendait dire qu'on y avait recours, il irait voir le professeur Black. Ah, magie noire ou pas, cette relique est la clé pour sauver Anne, pour conjurer le mauvais sort. Je refuse de perdre Anne. Je devrais envoyer le blason à Anne. Elle comprendra que nous devons nous voir. Je ne te suis pas très bien. Ce n'est rien, juste une idée. Je suis plus déterminé que jamais à découvrir le pouvoir qu'offre la relique. Qu'est-ce que tu veux dire par envoyer un blason pour qu'elle sache où te rejoindre ?
Nous venions de perdre nos parents, et nous faisions nos valises pour aller chez Solomon. Nous ne pouvions pas tout emporter. Elle était en train d'organiser ses biens les plus précieux. Des artefacts ayant appartenu à notre famille. Des bijoux, des cartes, des photographies. Et puis, elle est tombée sur son artefact préféré. Un blason fait main. Sans hésiter, elle me l'a tendu. « Il te protégera », m'a-t-elle dit. « Il n'est pas enchanté, mais depuis, il ne me quitte plus. Il me permettra de joindre Anne. Je lui ferai parvenir le blason et lui expliquerai où me trouver. »« Attention, Sébastien. Ton oncle pourrait l'intercepter. Et on sera renvoyés. » »« Hominis nous en veut. Mais il en veut plus à sa famille. Si nous avions besoin de son aide, il n'hésiterait pas à utiliser leur relation avec le directeur. » J'attendrai de ta nouvelle. Il y a un peu fou. J'apprécie énormément ton soutien en ce moment. Je t'enverrai un hibou dès que j'en saurai plus. Très bien. Hop. Voilà. Bon, ben on va arrêter cet épisode-là et on continuera dans le suivant. Comme d'habitude, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit pouce en l'air pour dire que ben, vous avez apprécié. Vous pouvez mettre un petit commentaire hein, pour me le dire aussi. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater la suite. Et bien entendu, portez-vous bien. Allez, bye.